des catacombes très accueillantes. Il en faut deux et le père Fouras, semble-t-il, a eu un choix très net, très précis. À peine revenu du tir à corps. Laetitia. Un duo de femmes. Ouverture de la porte. Quand vous êtes à l'intérieur, vous sonnez la cloche pour appeler pas sous sa garde. Deuxième indice là, il nous faut absolument. Super. Sonnez la cloche. Voici, passe sous sa casse. C'est pas la peine d'arriver comme ça, hein. Pourquoi tant de haine? Des rumeurs massacrantes. Elle va maintenant désigner laquelle de vous deux risque de finir en prison. Hein? Laetitia, tu vas te mettre dans la cage maintenant qui se trouve derrière toi. C'est toi qui vas devoir reconstituer le puzzle avant la fin du chronomètre. Sinon, tu seras fait prisonnier. Le problème, me direz-vous, c'est où est le chronomètre? Nous ne voyons pas de flexible ici, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Pas sous sa casse, montre-nous le chronomètre. Magali, tu vas être le chronomètre vivant. Pas sous sa casse, procédez. Maintenant devant Magali. Qu'est-ce que c'est? Mais il n'y a pas que sa porte, c'est elle. Mon Dieu, Seigneur. Magali va maintenant s'allonger dedans et subir ce que l'on a pour habitude d'appeler ici le supplice des catacombes. Bah, sous sa casse va t'attacher, mais tu auras le bras droit qui te permettra de baisser la manette et ne jamais la lâcher. Car si tu la lâchais, eh bien dans ce cas-là, Laetitia sera faite prisonnière et on perdra l'indice. C'est très clair. En baissant la manette, le chronomètre s'enclenche, mais aussi le puzzle à reconstituer se présentera. Laetitia va devoir reconstituer un puzzle le plus vite possible de manière à libérer Magali rapidement. Allez Laetitia! Vous avez compris, c'est très clair, hein? Tant que le puzzle n'est pas fini, tu lâches pas, Magali. Attention, 3, 2, 1, top départ. Oh là là, Magali, là, tu peux laisser la manette tranquille. Allez, courage, courage, il nous faut l'indice. Ne lâche pas la manette, tu Magali. Dispense pas l'indice, chérie, l'indice. Il faut que tu mettes les pièces du puzzle dans le bon ordre. Mais non, mais il y en a plein partout. Mais si, vas-y, dépasse-toi, comme tout à l'heure. Oh, dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, s'il te plaît, dépêche-toi. Vas-y, vas-y, concentre-toi, t'inquiète pas. Les serpents, tu fais comme si tu ne voyais pas. Mais regarde pas les serpents, t'es rigolo. Toi, tu es surtout. Y a lui, là, t'as vu, il veut me choper. Voilà, c'est bien. Alors, Magali, ne lâche pas. Ce cri n'est pas un cri de victoire. Mais t'es sûr, dépêche-toi, s'il te plaît. Mais t'es sûr. Concentre-toi sur autre chose. Arrête. Ah, vas-y, essaie de remettre les pièces dans l'ordre. Mon Dieu, Seigneur, j'ai pas peur. Mon Dieu, j'ai peur. Vas-y, Magali, c'est super. Tu tiens bon, c'est génial. Calmez-vous, soufflez beaucoup, calmez-vous. Ah, mon Dieu, pourquoi ils bougent les serpents? S'il vous plaît, gardez votre sang. Voilà, voilà. Super, vas-y, c'est bien. Laetitia, malheureusement, est loin d'avoir terminé. Regarde, il y a vu. Là-bas. Laetitia, tu n'arriveras jamais. Le serpent, tu perds du temps. Je vais lâcher. Oh, mon Dieu. J'ai pas peur. On va pas avoir l'indice si vous vous dépêchez. Non, arrête. Mais Laetitia, va lâcher, j'en peux plus. C'est pas possible. Là, je suis désolée, je peux plus. Oh mon Dieu, je lâche. L'aventure est close.
sort du tombeau. Elle a lâché la manette. Et Laetitia, malheureusement, est faite prisonnière. On est foutu, mon gars. Magali, tu peux sortir. Magali qui a été d'un courage total. Franchement. Ah oui. Exemplaire, Elmo. Ça va, j'ai tenu un petit peu quand même. Oh mon Dieu, Seigneur, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Viens nous rejoindre. Viens, Magali, viens. Bravo, bravo, t'as tout fait. Bravo. Bravo. T'es en âge. Bravo. J'en ai pas envie dans le sens. Non, c'est fini. C'est fini. Non, c'est les effets secondaires, ça, mais il y en a plus. Bien joué, les gars. Bon, vous savez quoi? On va surtout faire un point devant la salle du trésor. Suivez Passepartout. La situation n'est pas simple. Non, je vous le dis. On a même une petite tendance à dire qu'elle est désespérée. Non, mais...